le CRSU s'est confié par la fédération cette organisation. Et donc on a accepté volontiers parce qu'on a un enseignant, Pierre Béraud, enseignant à la faculté des sciences du sport, qui est un grand spécialiste de la boxe. Et après avoir fait l'an passé la boxe française, on a fait cette année la boxe anglaise. La Fédération Française de Boxe a une convention avec la Fédération Universitaire, la FFSU. Et donc là, la Fédération met des moyens humains, notamment avec la présence de 15 officiels de la Fédération et de 3 cadres techniques, donc 4 d'État qui ont été présents là sur l'ensemble de la compétition. Vraiment dans une politique du sport aussi pour tous, donc on développe vers les différents publics. Et ce championnat universitaire, il est important pour nous aussi, parce que c'est aussi un public qu'on retrouve après, soit dans les clubs, ou qui auront goûté en tout cas la boxe et qui seront des belles ambassadeurs pour l'avenir aussi. Bonne ambiance, conviviale et puis je suis là avec mes potes donc ça va. Ça montre que je fais de la boxe en club et aussi à l'université, ça montre que déjà c'est notre état d'esprit, il n'y a pas de... On est là oui pour gagner, pour perdre, mais voilà, si on perd c'est pas grave, on est par équipe, on se soutient, c'est un bel esprit et ça montre qu'à niveau universitaire, au niveau club, les niveaux ils sont là et... Il y a toujours esprit de compétition et c'est plus sympathique au niveau universitaire. Franchement, je pense qu'on forme vraiment une famille et c'est surtout ça que je retiens dans des compétitions comme ça. On a un niveau, en parlant de boxe pure, un niveau interrégional. Quoi. Et même on a eu un assaut au niveau international. Ouais, c'est, non, on a vraiment un niveau qui monte. Ça par contre. Oui. Et l'organisation, ça veut dire mettre en place cette logistique avec les 5 rings, mais aussi former des étudiants qui ont été juges. Et donc on rentre dans le véritable rôle du sport universitaire, c'est-à-dire être à la fois acteurs participants, mais aussi arbitres, juges, etc. Ça pouvait pas être mieux. Ça pouvait pas être mieux parce qu'il n'y a pas eu de litige, parce qu'on a petit à petit on fait de la formation au niveau des juges arbitres. Donc on avait un tiers de juges arbitres universitaires et deux tiers fédéraux, alors que jusqu'à maintenant c'était 10%. Quoi. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. Donc il n'y a pas eu de contestation sur aucun ring. Et puis, on a des titres de champion de France et finaliste, voilà. Quoi. Et à la fois sur le plan logistique et à la fois sur le plan
résultat, voilà, on a fait le plein. Ces championnats ne peuvent être organisés si on n'a pas le soutien de la Ligue, de la Fédération de boxe, évidemment, mais de la Ligue qui était présente aussi, parce que sans eux, on est incapable d'organiser une telle manifestation. Il y avait 15 juges de la Fédération qui sont venus de toute la France, donc c'est capital. Ensuite, on ne peut pas réaliser ce qu'on réalise sans nos partenaires, que sont le conseil régional, en l'occurrence, l'association sportive des Français Universités, qui nous a aidés aussi sur cette organisation. Et donc, il est très important de le signaler. Mmh.